Alors avec moi Karim El Mawab, entraîneur du Val de Grès. Alors Karim, un beau match ce soir face à une équipe du MHB assez puissante, mais vous avez pu créer la surprise. Alors je voudrais un peu vos impressions sur ce match. Ouais, c'était un beau match. La peur c'était de se prendre en gamelle comme on dit. Bon, nous on s'est préparé pour la semaine prochaine. C'est vrai que c'était pour nous c'est un passage oblige. Jouer la coupe, c'est aussi une manière de se préparer, que ce soit nous ou Belfort. Hein. Eux, ils avaient à cœur de garder la hiérarchie, N1, N2, qui nous gagner pour le fun, éventuellement. Voilà. Après, bon, on voit qu'il y a une certaine différence de niveau. Maintenant, moi, je suis quand même content de nos joueurs. Comme on dit, c'est de bon augure pour la suite du championnat. C'est plus recherché. D'accord, eh ben merci. Alors avec moi Lumu Kabazele, joueur du BMHB. Alors Lumu, un match sur lequel Val de Grès vous a bien accroché. Est-ce que tu pourrais me donner un peu tes impressions toi, sur ce match? On est tombé sur une grosse équipe de Val de Grès ce soir. Je pense qu'il y avait la place pour eux de se qualifier. Il leur a manqué peut-être un petit brin de folie à la fin, un petit coup du sort au niveau des arbitres. Voilà, je pense que Val de Grès, ils ont fait le match qu'il fallait quoi, et ils nous ont posé énormément de problèmes. D'accord. Un petit mot à dire sur la prestation de ton équipe éventuellement. De notre équipe, ouais. Ah bah alors nous, Belfort, bon, on a pris un peu le match, petit bonheur à la chance, petit fleur à la fusil. Et bon, on n'a pas été sérieux ce soir, on n'avait pas les jambes, tout ça. Et puis bon, on les a pas pris, on les a un peu pris de haut, quoi. Donc je pense que c'est une erreur, enfin c'est un peu une faute professionnelle aussi, quoi. Et bah, on essaiera la prochaine fois d'être un peu plus sérieux que ça. D'accord. Eh ben merci Lumu. Je t'en prie. Moi, Ilian Vassilev, donc entraîneur du BMHB. Alors, pourriez-vous me dire un petit mot sur ce match contre Val de Grès qui a bien résisté sur l'ensemble du match? Oui, on s'attendait, on savait très bien que c'est une très bonne équipe. C'est pas par hasard qu'ils sont en tête de National 2. Pour nous, vraiment, on a réussi notre rentrée, c'est-à-dire après plus que 10 jours de trêve. Notre but, c'était vraiment de rentrer dans les compétitions et je suis content que ce soir, on a réussi contre un bon équipe. D'accord. Eh bien, merci. Merci.